ancien président Joseph Michel Martelly pral en bas code. Selon gros information qui a circulé, eh bien dehors là Martelly semblait eh bien poko kon côté le garde parce que un pile gros journal dans le pays les États-Unis a fait des gros révélations surtout sous question document eh bien président Jovenel Moïse t'a préparé qui gagne liste non nèg qui eux même impliqué dans question drogue exact illégal dans pays a pour le tal fou qui mettait en bas code eh bien c'est document ça qui pral cause assassinat président à côté Boulos à Dimitri Meliak Martelly Ariel à divers l'autre encore comploté assassinat président Jovenel Moïse eh bien pour Jovenel Pat voyer liste eh bien nèg ça au bail pays les États-Unis pour vinn fouke yo pour question drogue nous va inviter gen tout détail et puis gen ancien sénateur Andris Richer qui lui-même eh bien souffleté craché dans figi André Michel nous va inviter tendez eh bien causer qui gagne dans la République mesdames mademoiselles et messieurs eh bien Jean nous dit là Martelly là déjà nan courir parce que FBI sans les débarquer Haïti vinn mettre en bas code et monsieur là gen doit envie à les États-Unis dans pays les États-Unis et monsieur pas aller parce que monsieur Zak illégal qu'a fait dans la question drogue Martelly semble qu'il doit être trempé très fond dans sens ça donc c'est pour ça nous porter vidéo ça pour venir éclaircir sur ça qui a passé dans pays d'Haïti. Restez connectés sur vidéo, abonnez, like et partagez tout le monde. Président Compa, ancien président de la République El Michele Matala il y a un gros problème côté m'a parlé avec nous là. Probabilité pour que Martelly prenne code dans le pays, les États-Unis d'Amérique. C'est de vrai extrêmement grave. Martelly sont musiciens. Moi-même, c'est mon qui connaît tant de Sutmi qui danse Sutmi qui. Sutmi qui compte un boléo qu'il fait. Ce n'est pas que je suis pile, je enragé. Mais là, je ne suis pas fanatique. Ouais, là, moi, je ne suis pas fanatique. Ça m'attendait là. Ça m'a pas pris là. Je ne suis pas fanatique. Si c'est ça, on dit là, c'est vérité. Moi, pas fanatique. Mesdames et messieurs, il y a un journal très connu après New York Times qui a fait une grosse révélation qu'elle fait. Yo. Et bien, définitivement, il y a un autre journal qui est le Washington Post qui font des gros déclarations là. Journal là, qui fait Martelly en liberté toujours qui chaque fait pour foot Martelly en bas code toujours qui chaque fait Martelly qui visa américain toujours c'est ça journal l'a dit oui ou qu'on bagaille yo pourquoi j'aime citer régional Boulos yo pourquoi j'aime citer Dimitri Vob et comme si n'a tout pas ici oublié yo Martelly son maillon lié dans chaîne qui concerne Rémi son maillon lié dans chaîne. Même pas bon menti, Bouchène, Mike Kremayo, c'est les Boulos, les Vob, les Bossons, les Meuses, les Akra, c'est Mounsayo. Les Sikne qui n'ont gaz, c'est Mounsayo qui baille gros l'argent, qui touille le président Jovenel Moïse. Aïe, c'est fois, m'sam, m'a dit non, green bagay. Nous pas prendre un an pour 6 ans. Martelly, même si on a les têtes li, les petits couleurs, bagay sa yo, c'est un green ni. Li pas supposé arriver côté arriver là. Pour nous la citer dans gros bagay sa yo. Mais, ce n'est pas pour autant pour me quitter yo de tout ça. Non, c'est pas comme ça. Martelly n'est pas capable de jouer dans le jeu pour contre lui. Sous quelque soit forme, non. Il n'est pas capable. Martelly, c'est jouer qu'on a joué. 10 jours de Moïse bêtise. Sauf que Martelly, qu'on a 10 matins de Moïse bêtise. Martelly, qu'on a lavé pour la journée de Moïse. C'est ça. Il n'est pas capable pour contre lui. Il va foutre 4 jours pour contre lui. Un boulot à Zimit, il va finir tout, qu'on y a là, nous penser, n'a pas dépensé gros l'argent, on va mettre de la poune, détourner attention au monde, mais non, rêve! Famille, amis, plateforme, YouTube, Fobeto, m'a dit nous ça clairement. Martelly impliqué, oui, c'est clair. Mais Martelly, pas qu'à tout, Jovenel Moïse pour contre lui. Ça, l'est clair. L'est plus que clair. Ok? Tout le monde met voyer monter, faire sauver, même pas nous mentir, Martelly a payé. Boulos a payé, Dimitri Vob a payé, secteur qui n'a gaz a payé, Jean-Marie Vob a payé, Madame Préval a payé, tout le monde a payé dans Petroville là. Nous tous yon président, nous avons d'ailleurs pas une famille, sont sans race. Pas une race comme ça. C'est la dernière fois que ça fait dans le pays. De respecter lié. Après respecter la vie de tes graines. Après respecter la vie de tes graines. Nous pas baisser sa importance. Faut nous tracer un exemple, peuple haïtien.
Faut que ce soit exemple pour bagay ça, pas jamais répéter dans l'histoire nous encore. Boulon sous dehors, et puis petit tout dans le pays, continue à vendre machine, continue à vendre bagay dans le marché, et ça. Avec l'argent pays, ou fin tout le président, pas de caca comme ça. Aïe, c'est femme, Claude Joseph, t'es parlé, li parle encore, en entendant la vidéo ça, et puis rendez-vous 7h30, après-midi, moi-même nous en pile, pour nous de causer qui détail sur le dossier El Michel et Matala. Dans la vidéo, ça, après, j'ai une pile cause, oui. Retenez dans la vidéo. Parce que, il y a des bagages que vous allez apprendre. Moi, maintenant, pile, on avance. Juge Gary Aurélien, invité Mme Martine Moïse, vient répondre une question dans le cas d'enquête sur l'assassinat du président paysan qui est Jovenel Moïse. Mme Martine Moïse était à l'étranger, elle est rentrée, elle vient répondre une question juge-là. Juge Gary Aurélien, invité ancien premier ministre Claude Joseph, vient répondre une question dans le cas d'enquête sur l'assassinat du président paysan Jovenel Moïse. Ancien premier ministre Claude Joseph déplacé la répondre une question juge là. Ancien directeur de la police nationale d'Haïti, monsieur Léon Charles, juge Gary invité pour venir répondre une question dans le cadre enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse là. Eh bien, hier, monsieur Léon Charles déplacé la répondre une question juge là. Pas de problème. Ça, c'est des Haïtiens qui connaissent que yo pas au-dessus de la loi. Juge a fait appel à vous, yo venu répondre question. Rockefeller Vincent, ancien ministre de la Justice, Claude Joseph Jovenel Moïse. Juge Gary Aurélien fait appel à Samavel pour venir répondre question dans le cas d'enquête sur l'assassinat du président paysan Jovenel Moïse. Kappa, Rockefeller Vincent, son cas spécial. Go information nous fait jeune là. Rockefeller Vincent, tellement de menace sous dos l'hyper. Parce que Nega Ariel Henry a menacé pour tuer. Automatiquement, Ariel Henry te fini revoquer monsieur. Il retire toute sécurité monsieur. Il prend l'endé dans monsieur. Et bien, qui s'est passé? Rockefeller Vincent, c'est un catimini. Il traverse les frontières, il passe par la République dominicaine. Il prend avion pour tomber aux États-Unis d'Amérique. Rockefeller Vincent fait demande d'asile politique. C'est l'information que nous avons. Eh bien, Kounia, est-ce que ça n'a pas bon problème pour Rockefeller Vincent rentrer dans le pays d'Haïti pendant qu'il fait demande d'asile? Et ceci, il y a répondu. Parce que il y a toute preuve que les gens ont menacé sous dol. Est-ce que nous comprenons ça, ma petite là? Eh bien, pour aller plus loin, qui s'est passé? Ariel Henry, qui t'a parlé avec un exécutant, crime ça, avant crime, non? Pendant crime, non? Après crime, non? Non, monsieur, c'est Joseph Félix Badjo. Qui s'est fait que Ariel Henry, il a questionné, comme ça, du gouvernement invité, ou évoqué, ministre justice, parler ce dossier ou révoquer. Secrétaire général, conseil des ministres, parler dans le dossier ou révoquer. Secrétaire général de la présidence, afflité dans le dossier ou même avec l'équipe Gangalil, PHT, Katat Kalimateli, nous rentrons dans le palais par la force, nous foutons l'idée. Et nous avons un plan avec Ariel, avec Joseph Félix Badjo, pour nous assassiner dans la boule. Parce que l'habitude est à rase. Aïe, c'est Fremsem. Qui s'est passé à Ariel Henry lui-même qui cause il n'est pas capable d'aller répondre à une question juge Gary Aurélien dans le cadre du dossier ça. C'est une question extrêmement grave. Vous stupide. Vous parlez avec assassin. Tu as même des informations qui fait quoi que le assassin finit tout le président, c'est où le joindre. Vous avez rencontré avant. Pour aujourd'hui, hein, la justice pas qu'à questionner. C'est gros projet qu'a fait. Tout le monde est clair, mais tout criminel qui touille Jovenel Moïse. Yo. Mais les représentants n'ont pas l'argent pour tout le président, mais ils ont le pouvoir. Et numéro 1, c'est Ariel Henry.
Haïtien frères et sœurs, prenez responsabilité. Jean que m'a annoncé, non, matin, mesdames et messieurs, Claude Joseph a parlé politique. Politique violente. Que des gens qui ont passé sous lui, moi, je vais décortiquer ensemble avec nous. Dans la vidéo, ça. Parce que, il y a des informations. Il y a des choses que nous devons connaître. Qui est passé dans l'assassinat de Jovenel Moïse, que nous devons connaître. Il faut nous connaître une raison qui fait que Claude Joseph te remet Ariel Henry au pouvoir avec autant de facilité comme ça. Ça veut dire, son paquet de questions que nous avons posé et que nous-mêmes, dans la vidéo, ça, que nous avons une réponse. C'est extrêmement important. Alors, gens que nous connaissons, je dis bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui le ou attendez nous ou regardez nous. Encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous. Et ça a vraiment fait du bien à chaque fois que je me connais. Je vais partager mon moment ensemble avec nous et que je connais nous réagir à travers les commentaires. Nous allons dire tout ça que nous pensons, tout ça que nous comprenons à travers petit bout de vidéo. Ça parce que, qui s'est passé? Ou pour le temps de en pile rosé, il y a un pile bagage qui prend la attention, il y a un pile information que vous pouvez gagner. Et bien normalement, ou ap gen réaction pa ou. Et normalement, dans vidéo, dans l'espace commentaire, là, n'attend intervention pour là. Très important. Et normalement, pour nous rappeler, nous, pour tout contact avec plateforme ça, qui c'est, channel YouTube InfoBeto, c'est 809-619-43-54. Pas oublier, mettez plus 1 devant. 809-619-43-54. C'est WhatsApp seulement. Call direct ou pas ka jeune. Ok, très important. Yon pel, yon bourret, yon balé. Aïssé Fremsem, opération ça, li pap dormi. De jour en jour, ap gen plus bagay kap ajouté. Parce que li très très important. Population comprenne ni. Moun Jérémy, yon m'a bat bravo pour nous. Moun Jérémy. Moun nan Nick Miragwan, la kay, commissaire Miskade. Commissaire Miskade m'salue ou. Commissaire Richemont m'salue ou. Ok, moun pas de paix. Salue nous. Monsieur Bessapio, n'a pas de paix. Salue nous. Abdi nous, Kébé, red, monsieur, yon pel, yon bouret, yon bali. Très important. Fase, fok pays sa propre, fok pays sa clean. Li très, très important. Encore une fois, m'abdi nous que, moi, remen nous en pile. Et c'est toujours un plaisir pour moi, pour que vienne partager moment sans ça, yo, pour que vienne partager moment ça, ensemble avec nous. Parce que, nous avons des bagay, qui nous parle connaît ensemble. N'a pas avancé. Claude Joseph, nan yon intervention que l'a fait, li parle en pile vérité. Et que nous-mêmes, point par point, nous pral analyser ensemble avec vous. Très important. N'a pas avancé. Ancien premier ministre, Claude Joseph, n'a pas salué. N'a pas salué. Dans le cas d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce que il y a une volonté politique? Ou qu'on est? Ou pas qu'on est? On nous demande, ancien premier ministre, non. Claude Joseph, la répond non, oui, parce que c'est son équilage. Li véridique. La parle. Père Claude Joseph, est-ce que il y a une volonté politique pour que l'enquête aboutit? Pas notre explication, non. Parce que la population a besoin d'explication sur ça. Parle avec nous, non, PM. Moi, je m'appelle lui. Avance, non. Pas une volonté politique pour l'enquête aboutit. C'est pas question, ça vient de là seulement. Pas gagner volonté politique pour gagner enquête. Et ça, c'est clair. C'est pas sans raison. Moi-même, personnellement, je suis écarté du gouvernement. Parce que pas de monde qui est capable de faire silence sur la mort de Jovenel Moïse. Pas de monde qui a fait silence sur lui. Bon, moi, et si je n'ai pas besoin d'être dans le gouvernement, non, tu as fait silence. Tu as fait silence, okay. Posé, d'abord. Ça pas d'abord irritant. Mon cher, bon, je vais me dire, qui ça va bien. Ancien premier ministre, il s'est fait étranger. Pas de gage ou raconte ça à répondre. Ou font un père grave. Yon ti rectification. GPPC dit Karibé Bolchal. C'est yon ancien ministre affaires étrangères qui a pour recevoir. C'est yon ancien premier ministre qui a pour recevoir. Ou répétez, premier ministre là, que li fait. Il y a un père grave. Qui s'est passé? Parce que, il questionnait
un assassin criminel qui touye Jovenel Moïse. Là, moi même pas d'accord avec vous. Et quelque part, il ne va que m'écrire sur ça. Mais m'a suivre parce que Gary Pepon Charles, son monde qui m'en pile. Son monde qui me suit en pile. Dans pile réserve sous intervention. Mais normalement, je pense que sans dire, les petits gens paraissent laides. Alors nous-mêmes, capteurs de Mkap Gadim là, nous prenons le temps de qui ça Claude Joseph te dit Ariel Henry. Ou Claude Joseph ça, monsieur qui grène dans bouda lui. Monsieur qui testicule dans fesse lui. Même c'est moun sa ou besoin. Même foudre même moun sa yo. Moun qui même j'avais, moun qui a caractère, moun qui moun. Moun qui pas baisser tête pour garder assassin. Peut-être l'argent, peut-être pouvoir. Y'a pas garder criminel dans les yeux. C'est moun sa ou nous besoin dans le pays. GPPC, Digari Pierre-Paul Charles, questionné PM nan, PM Claude Joseph Konsa. En avance, messieurs, dames. Quoi dégage, vous raconte ça à répondre. Où font un père grave? Abdil, devant tout le monde qui connaît, comme je suis détenteur d'une certaine quantité d'informations d'un père grave. Où est-ce que vous parlez à vous? Père Abdil, voilà. Il parlait de ça, mais il va vous dire. Vous faites pour le ministre trembler. Parce qu'on dit, monsieur, s'il n'y a pas d'assassinat, il faut la jeune juge là. Dans mon clarifié, bah, ça, moi. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, et on va mentir. Et effectivement, on va me geler. Alors, effectivement, Gary, et c'est pas l'intention qu'on me fait pour le ministre trembler. Et c'était avec objectif. Et on est capable de dire pour me comprendre vraiment ce qui s'est passé. Parce que j'ai une bonne information, ce n'est pas le deuxième, mais que pas une volonté pour le premier ministre présenter devant le juge d'instruction. Et c'est ça que fait même, moi te dis d'abord, est-ce que vous avez un bagage pour vous avec la mort? Et alors, ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères qui parlait à ancien premier ministre. C'est un ancien premier ministre, voilà. Et qui parlait à un premier ministre actuel. Donc, première question à me poser, c'est est-ce qu'il y a un avec la mort? Bon, je connais une réponse en table claire que non. La deuxième question, si vous parlez bien un avec la mort, pour qui ça? Pour parler à le devant juge. Parce qu'évidemment, et théorie premier ministre, c'est. Que s'il le présente devant le juge là, il faut que le juge là tout révoqué. Je bah, pense ça. Pense... Très bien. Et Claude Joseph, docteur Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre, jeune garçon, haïtien, garçon vaillant, garçon total, net tête green, si Claude. Jean Boulos, c'est très trop lent. Pas de problème. Ou fait fierté, peuple haïtien. Ou fait fierté la jeunesse haïtienne. Jeunesse paysan croit en vous. Et vous respecte. Et vous récompensez ça. C'est le monde que nous besoin dans la société. Nous n'avons pas besoin de Michel Malpropre, qui vole ma Sissi, qui a fait sexe dans Anis avec Denel Kassi. Nous n'avons pas besoin de comment les vieux gars ont fini de croire à Henri. Kovlin, qui n'a tout le président qui a fait ma Sissi. Nous n'avons pas besoin de crête comme Majorie Michel. Nous n'avons pas besoin de Kovlin, tant que Liane Pierre-Paul, Femme Pierre-Espérance. Nous n'avons pas besoin de Sissi sale, tant que Timona. Nous n'avons pas besoin de criminels assassins, tant que Denel Kassi. Nous n'avons pas besoin de gang, qui a vidé l'huile dans Port-au-Prince, tant que Beauplan, qui saute dans notre pays. Qui vient tout le monde dans Port-au-Prince. Nous n'avons pas besoin de 100 colonnes vertébrales, tant qu'il y a la torture, qui a baissé de elle, qui a ponclé dans le doom, la caille Général Boulos, dans Pétionville. Nous n'avons pas besoin de malpropre ça. Nous n'avons pas besoin de monde ça. C'est des jeunes garçons conséquents.
Jeune garçon pas qu'on a mangé comme si dans plat caille. Viennent pour l'envers dans Petionville. Ces jeunes garçons ça que nous besoin. Des moun à caractère. Des moun en bas pour qu'on mouiller. Moun qui pas qu'on prend dans droum pour aller prendre clé dans la commune la Petionville. Nous besoin des hommes à caractère. Des hommes et des femmes qui croient dans le pays, qui aiment le pays. Des hommes et des femmes qui connaissent que ce n'est pas vol pour qu'ils viennent voler, ils viennent dans l'État. Mon tango Claude Joseph. Encore une fois, PM, mon bat bravo pour vous. Je félicite vous. Et moi, encouragez-vous pour continuer. Sous même lancer ça. Et me promets tout. Moi-même, avec tout l'autre collègue, mes amis, famille, moi, gagnant l'air là. Sous les réseaux sociaux. Que me sous même lieu, n'a pas accompagné jusqu'au bout. Et m'a profité pour me saluer. Campagne, Val. Qui parle poser aux questions là. Moi même monsieur ça yo. Et monsieur te parle avec un jour. Me salue yo. Encore une fois PM, moi dis bravo. La jeunesse haïtienne fière de vous. La diaspora haïtienne fière de vous. Et vous regardez dans toute vidéo nous gagne que ce soit sur Facebook, que ce soit sur plateforme YouTube InfoBetron directement. Ou du moins sous toute l'autre plateforme yo. Moun yo respecte ou. Ou regarde les commentaires yo très positif. Moun yo remè ou. Yo bat bravo pour ou. Et ou di ou yo kan vide ou. Encore une fois PM. Nation. Pays yon. Kan vide ou. Et m'dou. Quand j'ai vu par exemple. Yo kmen le pit sa. Sa genti figure ou. Yon nou tout devant chou, devant bon nan, et qui dit li 5 à 0, 7 à 0, la pmache, 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 la André Michel. Bon, regardez par exemple des créatures de ce genre, vous comprenez, mais oui, mais maintenant, c'est affreux. Quand un pays arrive à produire des énergumènes de ce genre, c'est affreux. Et puis voilà que... Mais même l'énergumène, non. Ça ne veut pas dire que dans une discussion là, il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place. Mais écoutez, là, on prend un peuple, on prend un pays, on prend des jeunes, on monte, etc., grandit, et puis pour faire passer des tintins comme ça, passer dans le risible comme ça. Il n'est pas bon. Et je crois que je dis à fort que monde qui vous dénonce ce type de bagage. Il ne faut pas que les gens. Regardez, ou même là, un journaliste chevronné, tant que vous ne pas plomber non, monsieur, pour ça. Et malheureusement, la presse là, ce type de monde, ça, il a charrié toute la journée, il fait parler, intoxiqué le peuple là. Vous comprenez? Ça veut dire que pour un radio senti là, la mode, il faut que lui, pour charrier le monde, ça, il parler. Et puis, qui ça, mon qui pour le dire, il n'y a pas de discours, il n'y a pas rien. Sinon, qu'on discours de la haine. Vous comprenez? Raïssable, ambition. C'est ce discours à gagner. Or, aujourd'hui, ce que nous avons besoin d'une autre forme d'engagement pour paysan. Avec des hommes et des femmes, des jeunes, qui décident de rentrer dans la logique pour nous vivre un bagage, pour nous construire un bagage dans le paysan. Parce que pays aujourd'hui, c'est malandrin seulement qui a géré. Imaginons par exemple, ou prend une équipe net campée, yodou, et Petro-Caribé, et procès, côté Petro-Caribé. Yo levé matin, yodou, et justice pour Dorval, côté justice pour Dorval. Yo levé matin, yodou, justice pour Jean-Dominique, ça fait 20 combien d'années, etc. Mais type de monde que vous avez développé dans le pays, des gens sans personnalité, des énergumènes venant de tout part. Vous comprenez? Des assassins, des criminels, des gens qui sont prêts à tuer. C'est ça qu'on gagne dans le pays là.
Aujourd'hui, à ce que nous avons besoin dans ce pays, c'est des hommes et des femmes qui ont honte, qui ont la honte de ce qui a passé là. Est-ce qu'on peut continuer à vivre? Je dis alors pour qui pote bourré pour le fête matissant. Vous pouvez courir aller. Enfin, papa a dit nous qu'a passé. Mais ça pays. Mais le pays aujourd'hui. Pour l'argent, pour le privilège, pour une série de bagailles, ils sont prêts à faire tout. Mais tout. Sauf dresser visage pays. On imaginait un parlement avec, par exemple, Lamor Sanjou, député, et Iso, et député tout. Et comme nous disons que gang pile gang dans tout pays, hein. Comment on va penser que le pays est capable de rejoindre calme? Il ne faut pas faire ça, Wendel. Faut pas faire ça. Ça veut dire que. Non, il n'y a pas de qui vous faut crier. C'est que son oui, mouze. Par exemple, il n'y a pas de qui vous faut crier. Je pense que. Si M. Zayo, bon, en fait, c'est non. Entourage, environnement, côté au grandi, côté au levé, qui permet que je dis à vous dans sa rue. Parce que si par exemple nous partons en société, nous tenons une société de construction d'État, ou bien de nation, de peuple, eh bien, je ne dis pas que vous avez un grand bandit, non. Mais par contre, je dis à là, fait du banditisme ou une sorte de gestion d'État, ça vient grave. Par exemple, là, Néglado, que bon, écoutez, ma bagage. Et puis, camion descend, vient aller au bagage, il met dans la pompe. Regarde, bonjour, dis à ma bagage passé. Et puis, sans jouer camper, bon, écoutez, je vais faire un petit trèfle pour Noël l'alarme, qui voulait acheter salami. Et c'est Saint-Domingue, on met aller. Lorsqu'il y a une situation comme ça, c'est un pays dans lequel on consacre à vivre. À ce moment-là, maintenant, ça posait des questions. Pasteur Richer. Petit tout. Allez, alors, il aime bien la bonne. On songe. Oui, bon, Dieu, mais ça fait poser aux questions. Ok, on a parlé de M. Sayo, on a parlé de. On a parlé de Lamor Sanjou, de Iso, et autres qui occupaient le devant de la scène à travers Action. Mais est-ce que non, l'autre niveau, pas de gain d'autres bandits? Par exemple, sénateur, t'es monté, voyez, pour vous en bas. N'est-ce pas? C'est ça, m'dédou, oui. M'dédou que la production nationale, on prend au cours de ces 30 dernières années, c'est malandrin seulement le produit. Quand, par exemple, quelqu'un est sénateur de la République, vous êtes sénateur, porteur d'un chapeau noir en tête ou, représentant tout un département, et vous représentant un peuple là, et pour jouer un moyen. Ou entrer dans une toilette ou pour un bouquet et déchets pour aller s'y mettre dans un siège pour toi. Mais c'est grave. Je dis à la par exemple, Disney qui était yo, yo obligé de recoller les morceaux que yo t'a fait. Nèg qui t'a crasé tout ban yo dedans, crasé le bureau, jeté poupou. Je dis à la, mais yo tout, y a cherché un petit côté, un petit ministère pour fouer quoi yo. Pour faire même vagabondage là encore. Parce que ce qu'on fait, c'est l'on a toujours fait. Alors, dans ce sens, ça, mettre là, moi, je dis que le peuple haïtien a besoin d'autre chose. Je prends le cas, par exemple, de M. Ariel, qui vivait dans une situation ça, je suis d'accord, presque indépendant de sa volonté. Puisque Jean-Baye la mamie dans ta bouillie, eh bien. Voilà, il s'est retrouvé comme ça, un beau matin, premier ministre, etc. Mais là, il peut faire preuve de patriote et de citoyen. À travers les actions? Non seulement à travers les actions, mais en rassemblant le peuple haïtien autour d'un idéal que nous avons commencé à construire. Il a l'opportunité de le faire aujourd'hui. C'est pas une question de se marrer avec deux, trois énergumènes, non. Il faut élargir l'espace de construction, l'espace de dialogue, l'espace de débat pour nous construire quelque chose. Nous pas qu'à continuer à vivre dans ça, à vivre là. C'est de la malpropreté liée. Tant
tant au niveau psychologique qu'au niveau physique maintenant, bagay yo red. Nous devons faire quelque chose. Et ce n'est pas étranger pour qu'il fasse pour nous. Ce quelque chose-là, c'est nous. Écoutez, ça ne veut pas dire à un certain moment donné, nous ne pouvons pas trier sur le volet certains amis étrangers qui puissent nous aider et nous éclairer sur certains points. Non, parce que le monde est sur la planète, je veux dire. Oui, donc, par conséquent, on peut toujours. Mais la responsabilité revient aux Haïtiens. Et c'est à nous. Et c'est pour ça que l'appel que je lance aujourd'hui, je sais que je prêche toujours dans le désert parce qu'on ne m'écoute plus. Je suis un petit vieux qui va partir dans un avenir pas trop lointain. Non, bah, ça va dépendre de vous. Non, écoutez, donc c'est ce que généralement les gens pensent. Mais par contre, ce que j'ai dit aujourd'hui, l'opportunité qui se présente aujourd'hui, le président Jovenel est mort pour ses convictions. Ça, je suis persuadé. Il est mort pour ses convictions. Le président Jovenel a été démoli par une certaine presse dans ce pays. Il a crasé psychologiquement et puis après il est arrivé physiquement à le démolir. Oui, il est mort comme ça. Mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, c'est vrai que le pays est encore là. Et c'est pour ça que je lance cet appel à tous les Haïtiens. Est-ce que n'a mouri à genoux, j'en mouais bagay là là. Est-ce que n'a mouri cette descente aux enfers, n'a quitté le fait comme ça? Est-ce que cette destruction de personnalité, de peuple, est-ce que n'a quitté le fait comme ça? Parce que l'organe de Jodia, tout le monde fou. Moi, par exemple, pour les manifestations, l'église, Boïsit Kopé, Boïsit Tepé, tout est volé, tout est intérêt, oui, bon, oui, comme si Nadou, ils étaient en train de défendre le peuple.